Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà qu'on est encore relancé notre live comme prévu. Malgré le retard, on va relancer notre live. Donc, rien n'est perdu, peut-être que quelques minutes seulement. Daigne le Dieu Tout-Puissant vous bénir, vous qui êtes là, branché, scotché. À la présentation de cette émission, c'est toujours votre humble serviteur, l'homme de la continuité, le pasteur Patrick Alala, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Encore une fois, recevez nos chaleureuses salutations en Christ Jésus. Je répète, à la présentation, c'est l'homme de la continuité, le pasteur Kalala, votre humble serviteur. On est là pour pratiquement une heure et demie dans la présence du Seigneur parce qu'ayant déjà consommé les 30 autres premières minutes par des problèmes techniques. L'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 49 03. Nous répétons pour une meilleure audition. Votre humble serviteur, le pasteur Kalala, répond au plus 1 331 262 49 03. C'est donc par ces coordonnées téléphoniques que vous pouvez rentrer en contact direct avec nous. Encore une fois, le pasteur Kalala répond au plus 1 331 262 49 03. C'est par ces coordonnées téléphoniques que vous pouvez nous joindre. Que le Dieu Tout-Puissant soit béni, qu'il soit loué, lui le maître des temps, mais aussi le maître des circonstances. Allez, que Dieu vous bénisse, vous tous qui partagez. Je vois déjà 13 partages. Ça prouve qu'il y a des personnes de bonne foi qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse richement, multipliez encore des partages. Copiez les liens, que Dieu vous localise, vous qui le faites, vous qui partagez, soyez bénis. Et daigne le Dieu très haut vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment. Un souci technique nous a retardé et on ne va pas perdre encore beaucoup de temps. Je vous prie donc de multiplier les partages et d'inviter ceux qui vous sont chers parce que on a décollé. On a été absent cet après-midi. Le rendez-vous de cet après-midi a été avorté à cause de notre indisponibilité. On n'était pas présent. On était vraiment dans des courses très très importantes. Ayant trait toujours avec l'œuvre du Seigneur. On avait des contacts, on avait des contrats, on avait des rencontres avec des personnalités importantes et qui ont fait qu'on ne puisse pas être là. Donc nous présentons nos excuses pour ça, mais par la grâce du Seigneur, on est là cette nuit pour récupérer tant de prières agressives. Et vous avez vu notre thème, il s'intitule « Une histoire à raconter après le désert ». Est-ce qu'il y a un fils de Dieu qui me suit en ce net moment? Y a-t-il une fille de Dieu connectée, branchée? Que l'éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Et je dis bien que le Dieu Très-Haut te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Et je te prie maintenant de multiplier le partage. Partagez, partagez, partagez. Permettez à quelqu'un d'être branché, scotché. Et invitez un frère. Dites-lui que l'homme de la continuité est déjà là. Une histoire à raconter après ce désert. Et je te rassure, mon frère, je te rassure, ma soeur, que tu as aussi une histoire à raconter. Que le Dieu Tout-Puissant te donne une histoire à raconter. Et que tu racontes une belle histoire, je te le rassure, tu la raconteras. Si pas aujourd'hui, demain. Si pas demain, après-demain, je te prie d'être attentif à notre service de séjour. Donc, que le Dieu Tout-Puissant soit loué, qu'il soit béni, lui le maître des circonstances, mais lui aussi le maître des temps. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Merci, merci, merci à vous tous qui partagez, merci à vous tous qui invitez ceux qui vous sont chers, merci à vous qui partageait, qui partageait, qui partageait le lien. Merci. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Merci, 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 merci. Gloire au Seigneur. Que la louange et la gloire reviennent à l'Éternel des armées. Merci, 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 merci. Gloire soit rendue à Dieu. Multipliez les partages, invitez ceux qui vous sont chers, multipliez les partages, gagnons ensemble les âmes au Seigneur. Merci à vous qui partagez. Tu vas implorer le soutien du Saint-Esprit en disant « Saint-Esprit de Dieu, soutiens-moi. Esprit de l'Éternel, dispose mon entendement spirituel. » Tu vas dire « Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, révèle-moi des choses cachées. Saint-Esprit, instruis-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. » Est-ce que tu peux prier, demander le soutien, demander le secours, demander l'apport du Saint-Esprit, lui disant « Esprit de l'Éternel, inonde mon âme, inonde mon esprit, réveille-moi de ta puissance. J'aimerais être conduit par toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Élève ta voix maintenant, demande la plénitude du Saint-Esprit. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Nous te prions d'inonder nos âmes, de nous revêtir de ta puissance et de nous instruire. Révèle-nous des choses cachées. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Dispose notre entendement spirituel. Que le message de ce jour m'apporte un plus. Que le message de ce jour me fasse du bien. Au nom de Jésus de Nazareth, tendre Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Papa, merci, merci pour ta bonté, merci pour la force, merci pour le soutien, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous fortifies. Dans les noms de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je te prie de me suivre attentivement, mais ne me suis pas comme un spectateur. J'aimerais que tu participes aussi à travers le partage, à travers les commentaires, à travers également les tes j'aime. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Je pense que tout le monde est vraiment branché, scotché et que tout le monde soit en train de partager. Mes amis, notre sous-thème s'intitule « Une histoire à raconter après ce désert ». Quelqu'un peut dire Amen. Je viens donc te dire que tu as une histoire à raconter après ce désert. Et ici, nous devons souligner que désert, ce n'est pas le désert physique, ce n'est pas le désert biologique, ce n'est pas le désert qu'on peut toucher, dans lequel on peut vivre physiquement. Mais ici, quand nous parlons du désert, il s'agit d'un état de sécheresse. C'est une zone de turbulence. C'est des moments de crise. C'est des moments difficiles que quelqu'un puisse traverser dans la vie. Donc, le langage des chrétiens, quand on parle du désert, on voit une zone de sécheresse, de moments de manque, de moments qu'on appelle des moments difficiles, des moments où tu traverses des problèmes sérieux. Alors, on peut appeler cela le désert. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Donc, mes frères et sœurs en Christ, là, nous voyons, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Donc là, nous parlons maintenant du désert et de l'histoire à raconter juste après le désert. L'histoire à raconter après le désert. La Bible dit « La vie est faite des saisons ». Dans Genèse chapitre 8, verset 22, il est écrit « Aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, ce qu'on appelle par la loi des semailles et de la moisson ne passera
jamais. Aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, Genèse chapitre 8, verset 22, la loi de semailles et de la moisson ne passera jamais. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, comme pour dire, ici sur cette terre, tout homme est appelé à vivre ses saisons. Il y a de ceux-là qui commencent par la saison de gloire, pour terminer par des moments difficiles, tout comme il y a également des autres qui commence par des moments de gloire pour finir par des moments difficiles. Papa, maman, écoutez-moi très bien. Notre thème, nous disons, un temps, une histoire à raconter. C'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise, mais plutôt c'est une meilleure. Une histoire à raconter, une histoire à relater, une histoire à annoncer après une zone de turbulence. Comme pour dire à quelqu'un, dans la vie, quand tu traverses des moments difficiles, tu pourras rencontrer des gens qui vont dramatiser et même mettre un point final à ta vie, soi-disant, c'est fini pour celle-ci. C'est fini pour cette dame. Elle ne pourra plus s'en sortir. Tant pis pour elle. Malheur à elle. Ça peut être une période de maladie où les gens te regardent comme ça et disent, ah, celle-là ne vivra plus longtemps. En tout cas, la mort ou sa mort, c'est pour bientôt. On peut parler aussi d'une zone désertique ou d'un moment difficile ou d'une zone de turbulence. Ça peut être quelqu'un qu'on veut licencier du travail. Tu as commis une erreur grave au travail. Et les gens regardent ce que tu as fait comme acte. Tu as posé comme acte, voudrais-je dire. Et ils se disent non. Le monsieur ou la dame là, je ne pense pas qu'elle va finir cette semaine. Une fois que le boss remarque cette erreur, le monsieur ne sera plus avec nous. La dame ne sera plus ici parmi les travailleurs de cette compagnie. Et tu rentres à la maison, tu es en train de grincer les dents, de murmurer, de dire, Seigneur, pourquoi seulement moi? Une zone désertique peut également la vivre une femme répudiée par son mari. Vous savez, quand monsieur et dame sont en difficulté et que monsieur se décide de répudier sa femme, bien aimé, dans la plupart des cas, c'est de part et d'autre. Hein? La dame qui s'en va souhaite le malheur de l'autre. Et le monsieur ne voudra jamais entendre parler de sa femme en termes de réussite. Son souhait sera seulement d'entendre qu'elle galère. D'ailleurs, elle est méconnaissable. Tu ne peux pas la reconnaître, tu ne peux pas la fixer deux fois. Elle souffre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère et ma soeur, chers bien-aimés, frères et sœurs en Christ, il se pourrait que cette réunion de prière te retrouve dans ce genre de situation. Depuis que tu as quitté le pays, tu vis en Europe, en Amérique, en Asie, les gens qui t'ont reçu, ils t'ont donné un ultimatum. Non, tu prends en charge pendant 6 mois. Mais après les 6 mois, tu dois te débrouiller. Mais mes frères, nous sommes au 5e mois.
tu n'as pas encore eu ne fût-ce qu'un document pouvant te permettre de te déplacer. Tu vis une période difficile. Et très souvent, mes frères et sœurs, dans des moments comme celui-là, ou dans des moments comme celui-ci, vous allez remarquer que la plupart des personnes qui sont proches de vous vont commencer à se moquer de vous. Je parle à quelqu'un qui serait en train de traverser ces moments comme celui-là, où les gens se moquent même de lui, où les gens te diminuent, ils te ridiculisent, ils te calomnient, ils te méprisent. Des zones de turbulence, des moments où les gens se moquent et disent « Ah, celui-là vraiment, pitié, pitié, pitié. » On appelle ça aussi le désert. Mais comme la Bible déclare que la vie est faite de saisons, fils de Dieu, fille de Dieu, ce que tu dois retenir, c'est que mon histoire sur cette terre ne va pas finir de la sorte. C'est ce que je viens te communiquer comme message ce matin. Que tu puisses être rassuré, plus que rassuré, que tu ne vas pas finir ta course comme ça sur cette terre. Parce que le Dieu en qui tu as cru, c'est le Dieu de la Bible. Or, dans les Saintes Écritures, on a vu ce Dieu se manifester comme le rédempteur de Job. Un papa, la personne de Job, a vécu ce que tu es en train de traverser, maman. Un homme, la personne de Job, a traversé des moments plus compliqués que les tiens, mon frère. Un homme, la personne de Job, a souffert de maladies plus compliquées que celles dont est en train de souffrir ton mari ou bien ton fils ou ta fille. Donnez-moi un amen plus fort que ça. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Toi qui galères, les entreprises sont par terre. Laisse-moi te dire que Job a aussi traversé des moments comme celui-là où tout était noir. Où il pouvait se dire, Dieu est-il de mon côté ou bien Dieu m'abandonne-t-il? Et la Bible dit, même sa femme avait résolu que Job puisse abandonner Dieu et ne plus l'adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible déclare, la Bible dit ceci exactement. Job, en tout cela, il ne pécha point contre l'Éternel parce qu'il savait, quand il dit, mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire que Job savait que la vie ne s'arrête pas là. Il savait qu'il n'allait pas finir sa course dans de telles conditions. Il était plus que rassuré que sa vie n'allait pas s'arrêter à ce niveau-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ainsi qu'il va ouvrir sa bouche. Il va exprimer, confesser l'expression de sa foi. Ma soeur et mon frère, quand tu traverses des zones de turbulence, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es malade, quand tu es dépassé par des événements, exerce ta bouche à faire des déclarations positives. Ne reste pas bouche bée quand tu traverses des zones de turbulence. Des moments difficiles comme ceux qu'ont vécu Job ainsi que les autres aînés dans la Bible. Prophétise dans ton malheur. Dans ton malheur, parle et prophétise. Je te prie d'être encore beaucoup plus bavard, pas en termes de dérangement, mais bavard en termes de déclaration prophétique, en termes de confession de foi. En termes de confession de victoire, ne reste pas la bouche bée. On a vu tous ceux qui ont remporté,
qui sont sortis vainqueurs après avoir vécu des moments comme ça et des zones de turbulence, c'est des gens qui faisaient des confessions de foi. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne m'éteirai plus jamais? Ne t'éteins plus, papa. Fongola monokonayo, banda kosaka. Fongola monokonayo, banda kosakola. Fongola monokonayo, banda ko prophétiser. Chaque fois que tu constates la maladie en train de prendre de l'ampleur, chaque fois que tu constates les combats en train de s'empirer, chaque fois que tu constates des problèmes dans ton foyer, chaque fois que tu remarques même si c'est les oppressions même pendant tes moments de sommeil, je te prie de ne pas garder silence. Un adage de ce monde dit ceci, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Que Dieu te bénisse, papa. Maman, que Dieu te bénisse. Toi qui réagis, toi qui réponds, toi qui commentes, toi qui partages, que le Dieu que je prêche se souvienne de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Le calme, le silence, dans des moments de turbulence, ça prouve que vous êtes en train de croire et de douter au bienfait de votre Dieu. Ça prouve que vous êtes en train de vous laisser influencer par les agitations de l'ennemi qui vous a imposé cette zone de turbulence. Ne reste pas calme. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et confesse. Ouvre ta bouche et fais des déclarations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu honore ta foi. La Bible dit, David a été rebelle. Pendant que Israël était dans la souffrance, l'armée d'Israël, dépassée par la taille de Goliath, l'armée d'Israël, dépassée par l'oppression et les menaces, les intimidations de Goliath, la Bible dit, personne n'ouvrait sa bouche. Personne ne s'est rapproché de Goliath. Tous étaient là, en train de l'observer de loin. Je parle à quelqu'un, ne regarde pas ta maladie à distance. Ne regarde pas ses attaques de loin. Ne regarde pas, bien-aimé Seigneur, des problèmes que tu es en train d'endurer à distance. Réagis en parlant. L'une des armes efficaces que l'Éternel notre Dieu nous a données, c'est la déclaration ou la parole. Tout en se souvenant que notre Dieu a tout créé par la parole. Tout en se souvenant que nous sommes créés à son image. Tout en se souvenant qu'il a fait, n'est-ce pas, il a apporté la solution au problème de la terre qui était chaotique, au problème de la terre qui était vide, à travers la confession positive, à travers des déclarations. Est-ce que je parle à un fils de Dieu? Suis-je en train de parler à une fille de Dieu? Apprends à faire des confessions positives. J'aimerais qu'on introduise, déjà à travers l'introduction, qu'on s'exerce déjà par la prière. Parce que ce n'est pas une réunion d'enseignement, mais plutôt des prières. Regarde tout ce qui ne va pas chez toi à la maison. Regarde tout ce qui est chaotique chez toi à la maison. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre Père est également entouré par le chaos. La Bible dit, la terre était chaotique. Et quand Dieu est venu pour observer sa créature, il trouve qu'elle est chaotique. Elle est un tohu bohu. Elle présente le chaos. Je ne sais pas dans quelles conditions ce message te retrouve. Je parle à quelqu'un qui est dépouillé. Tu n'as plus rien dans ta poche. Tu as perdu toutes tes économies. Je parle aux personnes qui ont perdu des entreprises. Je parle à ceux qui se sont fait escroquer beaucoup d'argent. Pendant que je parle, tu dis, pasteur, je n'ai plus rien. La Bible dit, Dieu a trouvé la terre qui était vide. Il n'y avait rien.
Mais face à ces différents problèmes, premièrement, le problème des ténèbres, deuxièmement, la terre qui était vide, troisièmement, la terre qui n'était pas seulement vide, mais aussi sans forme, un tohu-bohu. Dieu n'a pas gardé son silence. La Bible dit, première attitude de l'Éternel, Dieu parla. Dieu déclara, je te prie mon frère et ma soeur, d'élever ta voix maintenant et de faire des déclarations. Je te prie d'élever ta voix maintenant et de faire une déclaration. Je te demande d'élever ta voix maintenant et de faire une déclaration. Élève ta voix et dis. Élève ta voix et prophétise. La Bible dit, Dieu regarda attentivement les problèmes et il a parlé. Il dit, que la lumière soit. Que la lumière soit. Il ne faut pas caresser ce problème au sens du poil. J'aimerais que tu regardes maintenant tout ce que tu es en train d'endurer comme situation difficile. En tant qu'un petit Dieu, tu as un mot à dire. En tant qu'un petit Dieu, tu as une confession à faire. En tant qu'un petit Dieu, tu as une déclaration à prononcer. Ne garde pas le silence, mais prophétise. Ne garde pas le calme, mais confesse. Ne garde pas le silence, mais fais des déclarations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle à Dieu. Parle aussi à ton problème. Affronte la difficulté que l'ennemi t'a imposée. Montre-lui que tu as une puissance créatrice. De ta bouche, tu es capable de dire des choses. Tu es capable de confesser. Tu es capable de changer la situation. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un Dieu. 39 jours et 39 nuits, Israël est resté là-bas, en train de se faire humilier, en train de se faire manipuler par l'armée philistine et par le philistin Goliath, en train d'endurer l'opprobre. Mais la Bible déclare, un jeune homme à la personne de David va arriver. Et quand David arrive, David prononce une seule parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il prononce une seule parole. Qu'est-ce qu'il dit? David dit ceci exactement. Qui es-tu, toi, incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui es-tu, toi, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Allez directement. Il commence par défier. Il commence par attaquer. Il commence par faire des déclarations. Il dit, aujourd'hui même, moi là, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Donne-moi un amen que j'avance. Je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Parole contre parole, déclaration contre déclaration, confession contre confession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen plus fort que ça. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. J'aimerais que quelqu'un qui est de la race de David élève sa voix et ouvre sa bouche pour parler aux problèmes qui le tourmentent. Quelqu'un qui est de la race de David, j'aimerais qu'il élève sa voix pour regarder attentivement les Goliaths qui les fait plonger dans la souffrance, le Goliath qui t'a plongé dans la disette et que tu dises des choses. Ah, moi, Patrick, je ne m'éteirai plus jamais. Je parlerai, je confesserai, je déclarerai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu.
David n'a pas gardé le silence. Il a compris que je suis de la race du Dieu très haut. Et je suis appelé à parler. Il dit, aujourd'hui, moi je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. La malade des arotumisandakunayo. Regarde maintenant la disette, regarde le manquement, regarde les blocages, regarde les lois établies et parle. C'est pourquoi Job, bien qu'abattu, frappé, et après avoir perdu 10 enfants, après avoir souffert des gales, pendant que son cœur chauffait parce qu'il avait des gales partout, il avait envie de boire de l'eau à tout moment et ça chauffait dans tous les corps. Une fièvre jusqu'à plus de 45 degrés. Mais quand la femme lui dit « Maudit Dieu et meurt », Job ouvre la bouche parce qu'il savait qu'il est de la race des dieux. Il dit « Moi, je sais une chose, je ne mourrai pas comme ça. Mon Rédempteur est vivant. J'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas célibataire endurci. Tu ne mourras pas stérile, tu ne mourras pas pauvre, tu ne mourras pas malade, tu ne mourras pas instable, tu ne mourras pas parasite des autres. Mais parce que ton Dieu est vivant, ton Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je te prie d'élever ta voix et de faire cette confession. Commence par parler à la maladie. Dis maladie, tu es un menteur, tu ne vas pas me tuer, tu ne vas pas me terrasser. Parle à la pauvreté. Aujourd'hui, je déclare que ça, ce n'est pas ta résidence officielle. Ça, ce n'est pas. Tu es de passage ici. Toi, pauvreté, tu es de passage. Tu peux regarder la maladie, la pandémie qui a visité votre famille. Tu dis, ça, ce n'est pas ton adresse. Dieu a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Élève ta voix maintenant. Regarde toutes sortes de problèmes que tu es en train d'endurer en ce net moment et prononce des paroles. Pour dire, toi, tu appelles la maladie par son nom, tu appelles le chômage par son nom, tu appelles la sorcellerie par son nom, tu appelles tout ce que tu es en train de vivre là, l'infidélité, l'incompréhension, les troubles, les agitations, des pandémies, des épidémies dans la maison. Tu vas les chasser en disant, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Moi, mon problème, c'est que tu ne restes pas calme. Parce que ta bouche, là, c'est toute une arme que Dieu t'a donnée. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Est-ce que tu peux commencer à parler? Bandako bengana bango moko na moko, tu parles, toi chômage, et toi blocage, et toi accident, et toi maladie. Je te parle comme David parla à Goliath. Aujourd'hui, je donne ta tête aux oiseaux du ciel. La foi, c'est comme une folie, disent les Saintes Écritures, pour les païens. Est-ce que les hommes fous de Jésus, les fous de Jésus peuvent élever leur voix? Tous ceux qui sont fous en Christ peuvent confesser. Parle maintenant. C'est comme si tu ne faisais rien, mais quelque chose est en train de s'opérer. J'ai dit à quelqu'un, c'est comme si tu plaisantais, mais quelque chose de profond est en train de s'opérer. La Bible dit, Dieu regarda la terre qui était informe. Il dit que la lumière soit. Quelqu'un pouvait dire, est-ce que c'est le temps de parler? C'est le temps de travailler. Mon frère, Dieu a commencé son premier travail, c'était la déclaration. Son premier exercice dans la construction et dans la réparation de la terre qui était un tohu-bohu, c'était la déclaration. Je te prie de commencer par déclarer. Tu veux aller au boulot, parle, parle, parle sur ton travail. Tu veux aller en voyage, parle sur ton travail, sur ton voyage. Tu veux te marier, parle et dis des choses sur ton foyer. Parle et parle. Le diable a détruit quoi dans ta vie? Il a détruit tes enfants. Prophétise ce matin sur tes enfants. Est-ce qu'on peut le faire pendant 2 à 3 minutes avant qu'on avance? Élève ta voix, commence à parler. Regarde tout ce qui ne va pas dans ta maison. Commence par lui parler. Comme Dieu regarda la terre qui était un tohu-bohu, il a vu parler. Moi, ce matin, je me lève et je parle. Toi, blocage, je te parle. Tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Je te dis que tu n'es pas le bienvenu dans mon travail. Tu n'es pas le bienvenu dans mes études.
toi l'imitation. Tu n'es pas le bienvenu dans la vie des enfants de Dieu. Ce matin, nous te parlons. Tu as des oreilles, tu nous écoutes. Romains chapitre 8 nous dit ceci. La création attend avec un ardent désir. Bien aimé, je suis en train de déclarer. Toi aussi, fais ta part. La révélation des fils de Dieu. Maintenant que je suis révélé, j'ai compris que tu as des oreilles. Toi, finance, tu as des oreilles. Toi, connexion, tu as des oreilles. Et toi, blocage, écoute-moi. Et toi, maladie, prête l'oreille parce qu'il y a un fils de Dieu qui parle. Je viens te rappeler que tu n'es pas le bienvenu chez moi. La maladie dans ma maison, tu n'as pas ta place. Il faut que tu m'écoutes ce matin. Je suis en train de déclarer l'idiotie dans ma lignée. Tu n'as pas de place. Mes enfants ne peuvent pas être des idiots. Et toi, problème répété, tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es pas le bienvenu chez moi. Parce que le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui apporte des solutions aux problèmes. C'est pourquoi maintenant, je viens vous ordonner de ne plus poser vos plantes de pieds ici. Toi, sécheresse, tu ne peux pas être mon partage. Parce que le Dieu que je prie m'a dit ceci. Je prospérerai, j'avancerai et je serai très haut placé. C'est pourquoi toi, tu n'as pas ta place chez moi. Je viens te rejeter. Je te rejette de tout cœur. Je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te chasse de ma vie. Toi, mort prématurée, je te chasse de ma maison. Je te chasse de mon entourage. Toi, célibat et divorce, je te chasse de ma maison. Je te chasse de mon parcours. Que toute forme de maladie soit loin de moi, loin de ma maison. Tu n'as pas le droit de vivre chez moi. Là, nous nous comportons comme les petits David. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu te bénisse, toi qui prie bien. Curieusement, mes amis, quand des fils et des filles de Dieu se comportent de la sorte, la Bible dit, ce que vous décidez sur la terre, c'est ce qui est accepté au ciel. Et ce que vous liez sur la terre, c'est ce qui est lié au ciel. Ce que vous, ici sur la terre, vous dites, vous rejetez, le ciel aussi rejette. Et mon Nzamba koumane malandangoul nabiso. Malandangoul penzaba chrétien. C'est ce que lui-même nous a dit. Il dit, je vous donne un privilège. Ce que vous allez refuser là-bas. Ici, moi aussi, je les refuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Jacques nous dit ceci exactement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La réponse est comment? Quelle est la réponse? Oui. Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Quand je parle de la souffrance, je parle de la vie du désert. Quelqu'un parmi vous est-il souffrant? Oui, je suis dans la souffrance. La réponse est quoi? Qu'il prie les bons dieux. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Mais si tu souffres, tu dois prier. C'est pourquoi des personnes qui sont là pensant qu'elles vont nous décourager en disant bah souffrance na bango mutetinde ka bamba sambele ba eh. La Bible me dit comme je souffre là, je dois prier. Mon Dieu, soit celui qui s'est confié à l'homme. Si je viens commander chez toi aujourd'hui, tu vas m'aider, mais après demain tu me donneras des explications. Ah, vaut mieux que je prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui. Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. C'est ainsi que Jacob, quand je parle de la souffrance, ce n'est pas la pauvreté. Il ne faut pas confondre. Quand je parle de la souffrance, ce n'est pas le manque.
d'argent, le manque de biens matériels. Je vous dis qu'il y a des personnes, des millionnaires, mais qui souffrent. Quelqu'un peut avoir beaucoup de moyens, mais qui souffre d'une crise au niveau de la vie sentimentale. Il n'a jamais une femme qui l'aime de tout cœur. Une femme n'a jamais un homme qui l'aime également sincèrement. Je vous dis la vérité. Millionnaire, mais il passe la nuit en comptant les cases du plafond. Pourquoi? Parce qu'il en a marre, il n'a pas une compagne. Il n'a pas un ami, il n'a pas une femme qui l'aime sincèrement. Il y a des hommes riches, mais qui souffrent de manque de sécurité. Il n'est pas en paix. Bien aimé, au saut tambour dans la mongue et bénin va payer mon retin sécurité zalala. Tambola na mbongo ebele kote ba BCRS mobutu bazalaka oyoka. Tambola na mbongo ebele kene kote ba Luanda kote bien kene soko kote kabinda. Zanga document sikoyi, documento. Bien aimé dans le Seigneur, tu te promènes du côté où tu as mis l'argent là, tu veux même pas que quelqu'un puisse passer. 100 mètres, là où tu laisses la route ici, mais ce qui est vert, avant de monter dans le côté, bah t'as rouge, t'as besoin de tout, besoin d'yaté, immigration, besoin de tout, besoin d'yaté, aux yeux pense. Ah, j'ai vu des gens souffrir. Je me souviens les jours où je faisais Pointe Noire Cabinda, non, je revenais de Angola, de Luanda, et je descendais à l'aéroport. Et pendant 2-3 jours, j'étais au Cabinda, j'ai vu des histoires, mes amis. La famille qui m'avait reçu, là où je suis, j'ai fait l'escale, ils n'avaient pas de documents. Et il fallait maintenant que les gens, ceux qui refoulaient, viennent faire patrouille dans le quartier. Parce qu'ils avaient des fuites d'informations. Des fois, on leur disait, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle Rouchka, donc refoulement. Rouchka, Rouchka, que nous allons à côté, on a. Donc ça sera dans tel secteur. Bien-aimé. Et le papa. La maman, l'oncle, ceux qui m'avaient logé, ils m'ont laissé les clés de la maison. Pasteur, vraiment, tu restes avec les enfants. Deux petits-enfants de 3 ans, un petit garçon et une petite fillette. Là. Et la maman est partie avec le bébé. Ils sont partis se cacher à l'église. Et à l'église, ils avaient un podium qu'ils appelaient « Ma papa en colo ». C'est-à-dire que les ailes de Dieu, quand il y a refoulement, ils allaient se cacher là-bas. Il suffit de prendre des biscuits, des chocolats, un peu de pâte d'arachide et des bidons d'eau. Ils sont là-bas, sous le podium. Quand les gens de refoulement viennent, ils regardent comme ça dans l'église, ils ne voient personne. Or, ils sont là-bas sous le podium. Là, c'est silence radio. Tu ne peux pas tousser. Quand tu tousses là, donc, on traite ta toux des démons. C'est Satan lui-même qui vient. Pour que tout le monde soit exposé. Tu ne peux même pas tousser. Et j'ai dormi cette nuit-là comme ça. Ah, bien-aimé Seigneur, la vie n'est pas facile. Ne yusko papa fandi na mboka ton maman. Hé, Roger, otingi le rote. Tu ne connais pas les conditions dans lesquelles ton fils ou ta fille est en train de traverser. C'est pitoyable. Et le matin, très tôt, je les ai vus revenir. Pasteur, ils sont passés. Ils disent, non, ils ne sont pas passés. Il n'y avait rien. J'ai dormi jusqu'au grand matin. Et je savais déjà quoi dire quand les gens des réformants allaient venir. Quand ils allaient toquer, co, j'allais ouvrir la porte. Allez, documento. Je présente mon passeport. J'avais un visa. Il me restait encore combien là? J'avais un visa de 1 mois que j'avais pris. Après, on a renouvelé 3 mois. J'avais laissé encore 4 à 6 semaines comme ça. Voyez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Le matin, il n'y avait personne. Ils sont revenus. Et je suis parti avec cette belle histoire de ma papa en colo. J'ai dit, ah, il y a des choses qui existent dans ce monde. Mon frère, il y a des situations difficiles. Toi, tu as des documents. Tu as un récépissé. Tu peux te promener. Tu peux trouver du travail.
pourquoi tu veux te donner la mort si prématurément? Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Mais seulement la Bible me dit, quand tu constates que tu souffres, je t'ai donné cette histoire-là, relater cette histoire-là pour que tu vois que tu aies l'idée des conditions difficiles que certaines personnes traversent sur cette terre. Pendant que tu penses que ta souffrance, c'est ça la fin du monde. Dans un pays encore, l'un de mes fils m'a appelé pour me dire, papa, ça fait quelques mois, 2 ou 3 mois de cela. Je revenais de COP, c'est un vendeur de trucs, là, il vend des trucs de marchands, des ambulants. On m'a giflé. Je regarde comme ça, c'est un petit militaire. Avec de quoi? L'auto, nous automobiles, nous consolo. J'étais pas seul, j'étais accompagné de ma femme. Papa, je voulais les gifler aussi. Je regarde comme c'est son nombreux bien armé. Pendant que je suis en train de discuter là, l'autre gifle mon épouse. Comme il avait des bijoux, on lui ravit. On lui ravit les bijoux qu'elle avait portés sur elle. Ah, pasteur, nous souffrons. Le peu d'argent qu'on avait, on nous a ravis. Je parle de la souffrance. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas le droit de revendiquer. Mais je viens de te dire que quand tu remarques des choses comme ça, ça fait partie de la souffrance. Il faut prier. C'est ce que la Bible dit. Jacob n'était pas pauvre. Ils avaient les biens. Il avait 2 femmes et deux équipes. Des 10 et des combien là-bas. Il avait des moyens, il avait des bœufs. Ils avaient des brebis, ils n'étaient pas sortis même réduits. Mais il souffrait de l'instabilité dans son âme. Il se disait, jusqu'à quand je serai toujours un fugitif? J'étais célibataire, je courais comme ça derrière mon grand frère, je le fouillais. Et maintenant je suis père des enfants, je continue à fuir mon beau-père Laban. Jusqu'à quand cette vie de nomade, c'était une souffrance. La souffrance, ce n'est pas seulement le manque d'argent. Ça peut être une souffrance psychologique. Une blessure intérieure. Quelqu'un qui est blessé, tu es habitué à être déçu. La première femme t'a déçu, la deuxième t'a déçu, la troisième t'a déçu. Le premier fiancé t'a déçu. La déception profonde. Et la Bible dit, Jacob pria l'Éternel des armées. Je vous parle, mes amis, qu'après des moments de souffrance, il y a une histoire nouvelle qui t'attend. Il faut y croire. Moi, mon plus grand combat ce matin, c'est que quelqu'un puisse voir une histoire à venir. Qui puisse voir que la souffrance n'est pas la fin du monde pour toi. Ce n'est pas la fin de ton histoire sur cette terre. Que tu sois capable d'y croire cela et de faire des prières pour changer ta souffrance en cri de gloire. La Bible dit, comme il souffre dedans de lui, Jacob pria. Comme toi maintenant, après avoir déclaré, tu vas prier pour dire à Dieu, Imeni. Imen. Souffrance et sengelesi là. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Bah déception oyo, il fait si là. Seigneur, je dois en finir avec ce célibat, avec cette instabilité, avec ces blocages, avec ces attaques et poursuites, avec ces accusations inutiles et vaines. Je dois en finir avec cette instabilité sur le plan financier et matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? En dehors des déclarations et des confessions, il faut prier. La Bible dit, Jacob s'attacha à Dieu et il dit,
si tu ne me bénis pas, moi je ne te lâche pas. Sois déterminé, fais des prières ferventes, avec détermination, avec précision, avec foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bandakota la sikasiko. La malédiction qui s'attache à toi, le blocage qui reste accroché à toi. Si c'est le célibat, tu parles au célibat. Si c'est le blocage matériel et financier, tu parles au blocage. Tu dis, toi, blocage, tu dois te séparer de moi. Seigneur, change ma situation. C'est toi qui m'as dit que quand quelqu'un souffre, qu'il prie. Et Job faisait la confession, mon rédempteur, tu es vivant. Je sais que tu t'élèveras. Tu t'élèveras le dernier. Maintenant, c'est le temps de t'élever. Je crois maintenant. Tu as dit dans ta parole, là où se limite l'intelligence de l'homme, c'est alors que toi tu commences. Bien-aimé, quand tu souffres, ne promène pas des regards inquiets. David, le psalmiste, a compris. Il a dit, moi, dans ma souffrance, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Il dit, dans la souffrance, j'avais commis l'erreur d'élever mes yeux vers les montagnes. Mais mon secours me viendra d'où? C'est une question, il n'a pas fait une affirmation. D'où me viendra mon secours? Il se pose la question. Il répond par après, dit, mon secours à moi ne me viendra pas des montagnes. Mais mon secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux, qui a fait la terre. C'est ainsi que quand Jacob a vu cet ange qui représentait Dieu, il a dit, j'ai vu celui qui est capable de secourir et je ne le lâcherai jamais. J'aimerais que tu t'accroches aussi à Dieu, que tu lui dis, Seigneur, cette semaine, aujourd'hui, ce mois ou jamais, que tu en découdes avec ma souffrance, que tu en finisses avec mes pleurs, que tu en finisses avec la maladie, que tu en finisses avec le célibat, que tu en finisses avec cette situation bizarre, que tu en finisses avec cette déception. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence par déclarer, commence par confesser, que tu dises à l'Éternel, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, et je ne te lâche point sans que tu ne m'aies changé ma condition de vie. Je ne t'abandonne point sans que tu ne m'aies changé ma condition de vie. Je ne te relâche point sans que tu ne m'aies délivré de cette maladie, de ces blocages, sans que tu n'aies fini cette affaire de mari de nuit. Dans le nom de Jésus, ce matin, moi Patrick, tu remplaces par ton nom, moi Patrick, moi Jolie, je déclare, moi Elena, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, la souffrance ne sera plus mon partage. Papa, je ne te lâche point sans que tu n'aies fait tomber ce manteau de souffrance, ce manteau de limitation, ce manteau de blocage, ce manteau d'échec, ce manteau de trahison, ce manteau de ruine. Seigneur, je dis que tu t'élèves dans ma vie et que tu changes ma condition. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, ne me laisse pas comme ça. Ne t'en va pas sans pour autant changer ma situation, sans pour autant faire tomber les écailles de mes yeux, sans pour autant faire tomber cette pauvreté, sans pour autant faire tomber cette disette. Papa, ne me quitte point sans pour autant résoudre le problème du célibat dans la vie de quelqu'un qui t'invoque. Tu as dit, invoque-moi dans ta détresse et je te répondrai. Je te prie de t'élever, de nous répondre par des miracles. Réponds-nous par la délivrance. Réponds-nous par des changements merveilleux. Seigneur, que quelqu'un qui pleure en ta présence, à travers cette émission, tant de prières agressives, papa, que ce ne soit pas des slogans tout de suite comme des perroquets, mais que ce soit des moments où tu opères, où tu nous visites. Papa, que le monde sache qu'on n'adore pas un Dieu mort. Yahweh, réponds-nous. Réponds-nous et agis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bon Dieu te bénisse, papa. Maman, que le bon Dieu te localise.
mon frère et ma soeur soient visités par l'Éternel des armées. Et la Bible dit, comme Jacob priait, tel que tu es en train de le faire là, avec tout ton cœur, toi qui prie avec le cœur, que le Dieu Tout-Puissant te localise. Et Dieu, à travers l'ange, il ne va pas abandonner Jacob dans cette condition. Je viens t'annoncer, mon frère, que Dieu ne t'abandonne pas dans cette condition-là. Dieu va ouvrir sa bouche et parler. Il est le Dieu qui répond à tous ceux qui les cherchent. Il s'est fait trouver auprès d'eux. Il est le Dieu qui parle lorsque tu le pousses à parler. Il est le Dieu qui entend des personnes qui sont plus que déterminées. Souvenez-vous de cette femme. Celle qui avait les fils malades. La femme gréco-phénicienne. La Bible dit, Jésus-Christ lui a répondu peut-être sèchement. On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Quelle réponse. Mais la femme ne s'en va pas. Parce qu'elle en avait marre de voir ses enfants souffrir. Elle dit, même les chiots mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a parlé. Elle était déterminée. C'est l'esprit qu'il nous faut ce matin. La détermination comme celle de Jacob. La détermination comme celle de cette femme gréco-phénicienne. Et la Bible dit, Dieu a aussi parlé à Jacob. Comme ce matin, Dieu est en train de te parler aussi. Dieu te parle. J'annonce à quelqu'un que Dieu te parle. Si pas pendant qu'ils sont en train de prêcher, qu'il te parle pendant une vision, pendant que tu pries. Si ce n'est pas pendant que tu pries, même quand tu vas siester, que Dieu te parle. Que Dieu prononce une parole. Mais quand il prononce une parole prophétique sur nous, très souvent, pour nous qui les cherchons, matin, midi, soir, en esprit, en vérité, ce n'est plus des paroles de prophétie ou des choses à venir, mais il prophétise et la chose s'exécute. Il déclare et la chose arrive. Nous sommes dans la nouvelle dimension, comme celle que vous avez parlé, la dispensation d'Habakouk 2. J'attendais à mon poste pour voir ce que me dira l'Éternel. Quand tu as développé cette intimité, cette patience, cette constance dans la présence de Dieu, toi tu n'attends plus pour écouter, pour patienter, mais toi tu attends pour vivre, pour voir et palper ce que Dieu est en train de dire. C'est pourquoi ce matin, en tant que messager de l'Éternel, je viens t'annoncer que ton manteau de Jacob tombe. On ne t'appellera plus Jacob. Je viens comme un messager de Dieu. Je viens comme un oint de l'Éternel pour prophétiser sur toi. On ne t'appellera plus mendiant. On ne t'appellera plus malheureux. On ne t'appellera plus pauvre. On ne t'appellera plus célibataire endurci. On ne t'appellera plus stérile. On ne t'appellera plus malchance. On ne t'appellera plus maudit. On ne t'appellera plus échoué. On ne t'appellera plus malheureux. On ne t'appellera plus stérile. On ne t'appellera plus blocage endurci. On ne t'appellera pas de tous les mots impudiques, voleurs. Mais on t'appellera d'un nom nouveau. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin vraiment de cette dimension du nom nouveau. Tous ceux qui ont pleuré, mais ils étaient confiants en Dieu, Dieu a fini par changer leur histoire. Ce n'est pas à toi qu'il va priver cela. Ah bon, maman, t'es parti, Nayo. À moins que tu ne les pries pas en esprit en vérité. Dieu finit par changer l'histoire et la vie de ceux qui se confient en lui. La Bible dit, le même Joseph qui a été vendu, d'après les hommes, on l'a traité de marchandise. Ah papa, il y a des personnes qui peuvent vous chosifier. Ils vous rabaissent au rang des animaux. C'est pourquoi Zalara Mobolo a pétit.
ezala mwa personnalité ozui ofandi ozui to ofandi ke na banda ko mususu te ne otambola bazo mono ndre mwa mutu mwa boye papier yo tata mukolo zo tele mso wa pesa mwana mke kiti parce que tu n'as rien. Ah non, pas ça, pas nangé simba te bilo kwa. Dieu change le nom de ceux qui l'invoquent et qui les cherchent de tout cœur. Il dit à Jacob, toi, on ne t'appellera plus Jacob. Désormais, je te change de nom. Tu as un nom nouveau, c'est-à-dire quoi? Tu rentres dans une nouveauté de vie. Le nom, c'est une identité. C'est une référence. Chocolat, ça a le goût de chocolat. Cacao, tu sens le café dedans et le cacao. Quand on dit Coca-Cola, tu sens la coca, les coca tu bois. Il y a quelque chose dedans qui fait qu'on puisse l'appeler coca. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand Dieu se décide de changer de nom, c'est qu'il veut que tu puisses maintenant porter la nature du nom qu'il te donne. On t'appellera Père des nations, un rassembleur, Père des multitudes. Et un père doit avoir une adresse. Un père doit avoir une famille assise. Un père doit avoir des concessions. C'est-à-dire que tu ne seras plus nomade. Tu ne seras plus fugitif. Mais je change ta vie. Aux à la poser, aux à la assis. Oh, je suis en train de voir une femme qui hier a été répudiée, réputée un petit adultère, prostituée, alors que tu n'as même pas fait le métier le plus ancien du monde. Mais le Dieu que nous prions ce matin, il est là pour déchirer ce manteau. Il t'appelle d'un nom nouveau. Une histoire à raconter après le désert. C'est Dieu-là, c'est celui que nous invoquons aujourd'hui. Que quelqu'un dise à Dieu, donne-moi aussi aujourd'hui un nom nouveau pour que j'aie une histoire à raconter. Si pas mes enfants, même à ceux qui m'entourent, que j'ai un témoignage. Ah, Isaac et Sengo. Yake Batouba, mon arope, notamment la ligne 11. Et dit carburant ligne 11, Ngouba, Bakalinga. Maintenant, je vais comment pousser ma casse. Ma casse, quand on a un choix, on ne pense pas à mon truc. On se met à l'université. Ceux qui t'ont vu traîner à pied. Ceux qui t'ont vu demander le billet pour payer le métro. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, qui me voit aussi rouler carrosse. T'es. Tu n'es pas appelé seulement à convoiter les autres, messieurs et dames, dans leur voiture, dans leur tambour, yo télémaranare, m'vou les zones que l'on a ouana. Et nous devons en annoncer la banvou là. Et annoncer là. Yangwa, enza mazo ropé, c'est de ronanga. Fiakola, kango loko na papa wala loba. Fiakola. Fiakola, biloko ndo nyokola ki lobi. Pasteur réputé, toujours sous le soleil, au Kaukamoi. Taxi Zoyatin. Et taxi wapina batongo na zo matasko mon kambo getana. Oketana nino na vni chiste. Oketana radio. Taxi Zoyatin Ford Express. Skozo beta machine express na okendebwe express. Le soir encore, y'en a autant église que l'homme sonna qui t'a église sous express les sous. Machine et simate. 100 va bousculer sous ce pasteur à Tenazoka Express. On a dépensé, humilié. Et le jour où je prêchais, ma kaboulanga ou kaboulanga, papa, amen. Mouta ou kansou zé tchou offrande boy, ou taraboye, ya es offrande te. Contact à Moutouka. C'est pas ici que moi j'ai la voiture, en Afrique. Au sommet, ni un franc, ni deux francs.
ezala kimbamba ezala ya sika sachet mutu kandeya ya ba posa pena contact ben grain mandicité te me mateye tout amou pumba ya bamboli un dieu qui change d'identité ya olungwe piéton au komi pe otambula na mutu kanayo un dieu capable de te sortir du célibat. Ah, je vous dis la vérité. Je te dis, il ne faut pas limiter Dieu. Ne pense pas que Dieu peut te bénir seulement là où tu es là. Tu peux faire un saut, tu quittes Paris, tu fais à Bordeaux, tu arrives là-bas, tu vas à Nantes, na Simakuna, papa Molio, na Naples, na Italie. Ok. Le problème, c'est de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Jacob pleure et dit, aujourd'hui, je ne te laisse point. Il y a la façon, il y a chercher Dieu et chercher Dieu. Et quand Dieu s'est décidé de changer son identité, il n'a plus forcé. Je t'annonce que tu ne forceras rien. Job dit, je connais ce Dieu, c'est notre rédempteur. Le Dieu qui donne une histoire après ces moments de désert. Après cette souffrance, j'ai une histoire à raconter. Bien-aimé, la Bible dit la gloire de la deuxième maison dans la vie de Job, elle était plus grande. Il était plus béni dans cette deuxième saison par rapport à la première. Joseph, habitué à être vendu comme une marchandise, on te traite comme une marchandise à vendre. Tes frères se sont lassés de toi, ils t'ont vendu entre les mains des Madianites. Les Madianites aussi n'ont pas traîné. Tu es devenu comme un jouet. Hein? Et aussi, non, on en a marre de cet esclave. Vendons-le. Bah, tu peux moi bénéficier, l'écolo. On en a une basse au Tekabo. Futur premier ministre. Maman. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne te donne pas la mort. Ne te précipite pas à mourir. Tu vas mourir avant pour rien. Tu as encore une histoire à raconter. Bah, stressé au bon mot, Pamba. Tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu n'es pas ce que les frères, tes frères ont décidé sur toi. Toi, tu as une histoire à raconter avec le Seigneur. Les frères ont dit, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Mais Dieu, du haut de son trône, avait une histoire à écrire avec Joseph. Il dit, non. Après, ils ont changé de langage. Bon, ramenons-le quand même au stade de marchandises. Au lieu de les tuer, vendons-le. Ils l'ont vendu. Ils l'ont appelé marchandise. Mais Dieu le voyait premier ministre en Égypte. Bien-aimé, ne te décourage pas, ne t'enterre pas. Que les propos des gens, les points de vue de ceux qui t'entourent, ne t'enterrent pas avant ton temps. Tu as une histoire à raconter. Ils ont vendu entre les mains de Potiphar. Potiphar l'élève un tout petit peu. La femme vient comme pour dire non. Toi, tu ne mérites pas d'être élevé sans pour autant payer le prix. Il faut que tu couches avec moi. Comme tu ne veux pas coucher avec moi, je te ferai voir que toi, là, tu es un esclave. Ta place n'est même pas dans ma maison. Allez, fous le camp. Je vous dis qu'il y a des personnes qui souffrent parce que les gens en ont décidé ainsi. Souffrance, ça m'a beaucoup abattu. Yamutabi na relaxayo, na ronyokolayo, on peut sentir, on peut vivre. Mais ma souffrance va toujours ça vivre. Mais la Bible déclare, Joseph, il avait l'espérance contre toute espérance. Dans la maison de Potiphar, j'ai lu la foi de Joseph. Ça te obéit à la tôle, on a dans un chrétien. Dans un chrétien, on a un critique à la pasteur et belle. Gloire au pasteur, on a un joyeux sur comment. Ma tentation en soi, ma million, ma joyeux sur soi. Ma tentation en bas, si ma coutant en bas, on a un bas sans démoine. Il y a une tentation à mon cœur, on a un cœur, on a 100 euros, 200 euros, sauter avec une autre. Ok, à combattre, c'est parce que tu n'es pas connu. C'est parce que toi tu n'es pas connu, tandis que ces hommes de Dieu là sont connus.
qu'il ne faut pas, trop parler au sujet des autres, les difficultés qu'ils ont traversées, les épreuves qu'ils ont traversées, peut-être toi tu ne pourras pas supporter. Des chocs et des coups que beaucoup d'hommes de Dieu ont endurés, toi tu ne pourras pas supporter. C'est pourquoi ne sois pas pressé à condamner, à critiquer les gens. Ah, s'il te plaît, ne sois pas pressé. Joseph sort vainqueur. Il dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Et pour ça, on les jette en prison. Ah, Nzambango. Je commence à respirer. À peine je me suis marié. Libalangwe c'est mon corps à 6 mois. Après 6 mois, je deviens hein, le rideau qu'on laisse à la maison, on l'abandonne à la maison. Je deviens le gardien de la maison. Mon mari trouve le plaisir ailleurs. Ah Seigneur, au lien à Nengini, s'il a raté Panama. Ce sont des déclarations qui sortent des bouches de beaucoup de fils et de filles de Dieu. Ah Seigneur, il n'y en a pas c'est aussi là comme colonie. Je viens te rassurer, tu as une histoire à raconter après ce désert. Voilà que Joseph, très serein et confiant en Dieu, il rentre en prison en silence. Il ne dit pas un mot. Il est calme dans la prison. Afin de dire, calme mes amis. De la prison, il se souvient, Dieu se souvient de lui. Il dit, maintenant, tu as une histoire à raconter. Là, nous voyons Dieu qui décide encore qu'on change le nom de Joseph. Pharaon lui donne un nom nouveau. Il dit, on ne t'appellera plus Joseph. Toi, là, on t'appelle Saphnach, Panéach, celui qui a la capacité d'interpréter les songes. Cri au bobeta, ah, yaboui rozoa wap, yaboui bazoa wap. Où trouverai-je un homme sage comme Joseph? Je ne peux pas voir un autre premier ministre ici, en dehors de celui-ci, qui a la capacité d'interpréter les songes et de donner des directives pleines de sagesse. Toi, on t'appellera Saphnach Panéach. A l'ongoli or, dans le bokonaye, goumet, ya or. Apesi Elata, symbole de la deuxième personnalité du pays. Personne ne mettra pied ici en Égypte, ni sortir de l'Égypte sans que toi tu ne l'aies ordonné. Moi je suis supérieur à toi de par ma royauté. Et Libaku na zelo. Quand Dieu te surprend, il se décide de te donner une histoire à raconter. Benemi barobobeti Libaku na zelo. Chance Loko Pamba, je suis en train de prier que le bon Dieu t'ouvre des portes, que le Dieu que nous prions te fasse sourire aussi, que tu souris, que tu ris après ces moments de pleurs. Tu as beaucoup pleuré maman, non tu as beaucoup pleuré papa, fils et filles de Dieu nous avons beaucoup pleuré, c'est le temps où Dieu doit nous faire vivre la nouvelle saison comme celle qu'a vécu Joseph. La Bible dit n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a pleuré? Papa, il y en a peine de l'équipe. N'agnon comme une Afrique. Nous avons pas besoin de la porte sous. Nous avons besoin de la sous dans le foyer. Nous avons besoin de la mobile. Nous avons besoin de la porte dans le balai. Non, Seigneur. C'est la vie de Joseph que je suis en train de vivre, au fait. Mais Seigneur, la vie de Joseph a quand même fini par être changée. Tu as donné une histoire, un témoignage à Joseph. Seigneur, donne-moi aussi un témoignage. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Que tu dises à Dieu, si tu as pu donner à Joseph un témoignage, tu as changé son histoire pour qu'il ait une histoire à raconter aux gens. Papa, mets également tes propos dans ma bouche aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te demande un témoignage. Que je parle aussi à ceux de ma génération, que Nazana témoignage.
Est-ce qu'on peut prier avec toi? Que le Dieu de Jacob soit ton Dieu. Que le Dieu de Joseph soit le tien. Que le Dieu qui essuya les larmes de cette veuve de Naïm essuie également les tiennes. Élève ta voix, prie avec moi. Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici rassemblés comme des personnes qui ont été flagellées, qui ont été chicotées par des coups de la vie, par la méchanceté humaine, par la méchanceté familiale, par des problèmes psychosomatiques, par des problèmes de santé, par des problèmes de finances. Seigneur Dieu, nous t'invoquons. Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Maintenant, nous te prions de bien vouloir prêter l'oreille à nos prières. Yahweh, change la condition de ma soeur, change la condition de mon frère, change son rang de vie, change son mode de vie, change sa santé. Seigneur, nous te prions de t'élever dans la vie de chacun de tes enfants et de changer sa vie. Au nom puissant de Jésus, celui qui a pleuré comme Joseph, Seigneur notre Dieu, celui dont les épisodes sur épisodes des souffrances, des moments difficiles, c'est épisode après épisode. Tantôt c'est la vente de ses frères, et après c'est la vente des marchands des Madianites, et après c'est les Égyptiens qui les jettent en prison. Papa, où es-tu? Nous te prions de t'élever. Après tous ces épisodes de souffrance, de disette, de misère, de célibat, de déception, de troubles, de palpitations de cœur, papa, on a été rongé au-dedans de nous par l'ennemi. Après ce temps de fléau, après ce temps de turbulence, Seigneur, nous te prions de t'imposer dans nos vies. Impose-toi et donne-nous des nouvelles saisons, des rafraîchissements. Rafraîchis les cœurs d'une maman. Elle a beaucoup pleuré, Seigneur. Qu'elle ait une histoire à raconter aujourd'hui. Change la vie d'un papa. Change la vie d'une sœur ou d'un frère. Change ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Jacob, on ne l'appellera plus. Jacob, on l'appelle Israël. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu. Ce matin, j'annonce à quelqu'un que ton Dieu intervient aussi à ta situation. Que ce Dieu intervienne aussi par rapport à tes combats. Que ce Dieu intervienne aussi par rapport à ton manteau que tu portes. Qu'il t'intervienne pour te faire ôter le manteau de Jacob et que tu portes celui d'Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Joseph va ôter les manteaux de prisonniers, de marchandises à vendre ou d'un objet à vendre et revêtir le manteau et la tunique de la primature. Quand Dieu s'élève, il se décide de changer. C'est les pleurs qui se transforment en rire. Que tel soit le cas de quelqu'un ce matin. Et toi qui me donnes un amen plus fort, que cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Safnach Paneach, premier ministre en Égypte. Il nous reste 3 minutes, on va clôturer. La Bible dit, il va apercevoir ses frères, ceux qui lui avaient causé du tort. Il insiste, il dit, allez me trouver votre papa s'il est encore en vie. Sous l'autorité royale, les personnes qui avaient rejeté son rêve hier, ils étaient contraints de lui être obéissants. Le Joseph qu'on a tabassé hier, c'est celui qui leur dit, allez chercher papa, à l'impératif. Yaya, karayoum tbase kaki. Oh, commandez bango. Je me souviens de certains frères qui nous insultaient auparavant quand on implantait encore une église dans un pays en Afrique qu'on a œuvré pendant longtemps. Ils passaient devant l'église, un militaire. Avec 2 passages bibliques, bah me cuisa pas. Ils se font bourder, ils amassent de l'argent. Bien-aimé, il prêche la richesse, mais lui-même vit dans les dieux.
Voilà, début église, donc mbunda kaka papa papa. Même pas instrument, même pas guitare, même pas quoi. Le quoi la vie est la ranango pneu. On ne se moque pas des malheureux et des morts, mais c'est juste un témoignage que je donne, pas pour se moquer de lui, mais pour édifier quelqu'un. Le papa a souffert de paralysie. J'ai encore l'image de sa charmante épouse qui l'a amené à l'église. Papa Zobenda Lokolo, Azobenda Loboko. Le monsieur qui passait pour insulter, il est venu à l'église. Kota ando benga ba yombe yai. Ayeko loke sou sunzambe. C'est effectivement ce qui se passe avec Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un dont on se moque de lui aujourd'hui. Maman, bah c'est qu'il y a trop célibat endurci. Et à Zanga place à Roulal. Les dieux que je te prêche, ils changent les circonstances. C'est pourquoi toi qui te crois fort aujourd'hui, Dieu peut faire que tu deviennes faible, très faible encore demain. Et toi qui te sens trop faible aujourd'hui, Dieu peut te rendre fort demain. Après avoir imposé à ses frères de venir, les frères sont venus. Ceux qui avaient planifié de les tuer, voilà que Joseph, c'est lui qui raconte l'histoire. Les bourreaux, ceux qui se moquent de toi, ceux qui te combattent, ceux qui t'injurient, ceux qui te traitent d'un vaurien aujourd'hui, ils manqueront l'histoire à raconter. Mais Dieu mettra dans ta bouche une histoire à raconter après ton désert. Et ils étaient à table. C'était pas papa qui racontait l'histoire. Mais Dieu a permis à Safnash Panayash de parler. Et quand il a commencé à parler, tous se sont tus. Il va dire quoi? Est-ce que vous me connaissez? Vous là, vous aviez planifié de me tuer. Mais l'Éternel en a décidé autrement. Ma prière est que Dieu décide autrement. Que tous ceux qui veulent ta ruine au travail, ils veulent te chasser du travail sans cause. Que Dieu défende ta cause. Ils veulent te limoger, également te répudier de ton foyer. Sans cause, que Dieu prenne ta part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui subis les injustices dans un domaine quelconque, au tribunal, à la justice, au parquet, que Dieu s'élève, le Dieu de Joseph. Joseph dit, c'est lui qui raconte l'histoire. Je parle à quelqu'un, c'est toi qui témoigneras. Ah, je ne sais pas s'il est profité de ce message-là. Je suis en train de dire, tu es le Joseph d'aujourd'hui. Yandem te obéta li solo. Obéta li solo. C'est pourquoi toi qui occupes le rang le plus élevé aujourd'hui, faut pas regarder avec mépris ceux qui occupent la basse classe. Joseph raconte l'histoire. Une histoire après des moments de pleurs, après des épisodes de déception, après plusieurs ventes comme esclaves, comme une marchandise, après plusieurs trahisons, après plusieurs fausses accusations, après avoir eu un casier judiciaire bousillé, sali. Je pense que les gens disaient que finalement, ce petit va mourir là-bas en prison. Il n'a ni famille, ni quoi que ce soit. Et puis l'accusation, c'est viol. Il ne va pas violer n'importe qui, mais viol dans la cour royale, parce que Potiphar, c'était parmi les protocoles d'état du roi Pharaon. Et moi, non, qui m'oussique. Opena makala, penza makala. Opena prison, dégesté, na braza. Et pas prison, c'est ça que tout le monde a dégesté. Et malikama. Opena dégesté. Opena prison, makala, penza na chasse. Est-ce que vous comprenez mes amis?
Mais le Dieu Tout-Puissant en a décidé autrement. Il dit, vous, vous avez planifié de me tuer, mais Dieu a jugé autrement. La femme de Potiphar a décidé de me jeter en prison, mais Dieu a décidé autrement. Aujourd'hui, le Dieu qui m'avait donné la vision, il me donne une histoire à raconter. Après que tu aies raconté ton histoire, tes frères vont se taire. Ils n'auront pas à répliquer. Non, pas dans mon corps. Yonde m'tourbe ta lissolo. Lissolo ba nzalozo la la lelo. Lissolo ba documents au rosan la lelo. Obe ta molobi. Quand tu auras un passeport diplomatique, je parle à une maman. Je vois un monsieur ambassadeur à Zobalayo. Fiancé na yo wana. Bande ba kwenda futuka Russie, il repame au Zonga Japon, il repame. Pourquoi? Passeport rouge diplomatique. Femme stérile na mona ba ma passe na mon Congo. Et comme ah bazaro déranger papa bazaro déranger. Nzambo to sambela ko. Il donne des histoires à raconter. La femme de Naïn, la veuve, elle était en train de pleurer. Elle pleurait, son fils est parti. Il y avait des gens qui calculaient trop bête à maman et tout condamnant le masanabus. Et aux hommes, on va les taper sérieusement. Sorcière comme ça, elle a bouffé son mari, elle va encore bouffer son enfant. Si on la laisse en vie, elle va bouffer tout le monde dans le quartier. Il y avait des gens qui planifiaient des choses comme ça. Elle pleurait son fils unique, innocent mourir. Jésus-Christ l'a vu de loin. Le Dieu qui donne une histoire à raconter. Contre toute espérance, la Bible dit, quand Jésus rentre, il voit la femme de loin, il se décide d'agir. Et quand il se décide d'agir, c'est pour stopper les ennemis. Je prie que le Dieu Tout-Puissant ne permette pas l'enterrement d'une destinée. Que la même main puissante qui stoppa l'enterrement prématuré puisse empêcher toutes sortes d'enterrements. Que toute personne qui prie avec moi dans cette séance et que l'ennemi avait planifié d'amputer sa destinée, que la main puissante de Jésus-Christ stoppe l'ennemi. Ceux qui avaient pris les armes, ceux qui avaient les poisons, ceux qui avaient planifié des accidents, ceux qui sont allés voir les devins, les talismans, les occultistes, etc., pour sacrifier, verser ton sang, qu'ils voient et qu'ils croisent la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth sur leur chemin. Que les dieux tout-puissants ne permettent pas l'amputation des destinées dans la vie de ses fils. Bien aimé, il y a un Dieu vivant, c'est ce Dieu que nous prions. C'est pourquoi je te prie de t'élever et de dire à Dieu, Yahweh, barre la route aux méchants. Donne-moi une histoire après ces moments des zones de surveillance. Après cette maladie, donne-moi les témoignages. Après cette crise dans mon foyer, restaure ma famille. Après cette infidélité de mon mari, de ma femme, Seigneur, rétablis ma maison. Tu es le Dieu qui ramène à l'existence même des choses qui ont cessé d'exister. Que j'ai un témoignage à raconter aux gens comme Joseph. Est-ce que tu peux demander cela? Ce n'est pas là qu'on va clôturer. Que tu demandes à Dieu, on a débordé de 7 minutes. Tu vas demander à Dieu, Père, donne-moi un témoignage à raconter. Après ces épreuves, après ces manquements, après cette infidélité, après cette instabilité, après ces blocages, après cette longue maladie, après ces moments de pleurs, donne-moi un témoignage à raconter. C'est la prière finale. Élève ta voix et prie et recommande la journée entre les mains du Seigneur. Si Dieu peut faire que ces témoignages à raconter commencent aujourd'hui dans ta vie, tu peux lever ta voix, dire à Dieu merci. Prions ensemble au nom du Seigneur, éternel des armées. Tendre Père, nous voici. Nous voici devant ton trône de gloire. Nous te demandons, Seigneur, de reproduire exactement ce que tu as fait pour Jacob. Après des années d'instabilité, le jour où tu as décidé de changer son identité, tu dis, on t'appellera Israël, Père éternel. C'est lui qui le poursuivait d'abord en la personne d'Isaac, d'Esaü. Il changea de langage. Il n'était plus rancunier. Il ne les cherchait plus pour les tuer. Mais il se disait, je vais voir mon frère.
et voir ses enfants. Je vais voir le sang de mon frère. Quand Dieu approuve et dispose la voie d'un homme, il va disposer en sa faveur même les ennemis. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, dispose en ma faveur même ceux qui étaient censés être mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quand Dieu se décide de changer le nom de Jacob en Israël, il va stopper même Laban qui venait pour le poursuivre. Je prie que le bon Dieu s'élève pour stopper la main de Laban qui est en train de venir avec sous sa patte avec une grande vitesse pour chercher à réclamer Laban à Jacob. Seigneur, étends ta main et barre la route à tous ceux qui viennent comme des esprits de réclamation. Après ces moments de souffrance, donne-nous une histoire à raconter. Père éternel, de même que Joseph raconta son histoire à ses frères, que je raconte devant les amis, que je témoigne sur les nets, que je témoigne partout au monde, dans mon lieu de service, que je témoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Encore une fois, merci Seigneur. J'annonce à quelqu'un que tu parleras, comme Joseph. Vous avez décidé ma ruine, mais aujourd'hui, Dieu en a décidé autrement. J'aimerais que tu pries maintenant pour clôturer. Père éternel, merci. Merci parce que tu donnes une nouvelle identité à ton fils. Merci pour une nouvelle identité que tu donnes à ta fille. Merci pour tout ce qui a été planifié par le méchant que toi tu t'es décidé de faire tomber et de stopper. Nous voulons vivre maintenant sous un ciel ouvert. Nous voulons vivre la dispensation d'un nom nouveau. Restaure les familles. Restaure les vies. Restaure les activités. Restaure les finances. Restaure les projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. C'est par là qu'on met un point final à notre mission. Sors de cette réunion avec l'esprit selon lequel Dieu te donne une histoire à raconter. Que ton histoire commence aujourd'hui. Que l'histoire de ta famille commence aujourd'hui. Que l'histoire de tes activités commence aujourd'hui. Et pourquoi pas le long de cette semaine. Ensemble, on dit trois fois Amen, Amen. Et Amen. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve donc par rapport à notre programme à 15h30. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas, à 15h30, on se retrouve sur notre Facebook Patrick Alala Ministry, sur la page, cette page. On se retrouve pour partager la pensée du Seigneur. En tout cas, merci pour votre fidélité. Malgré les combats techniques, vous avez quand même été là. Vous avez tenu bon. Vous voulez contacter le pasteur Kalala, il répond au plus 1-331-262-49-03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre. Pour le moment, que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve avec vous très prochainement dans un nouveau numéro. Abonnez-vous aussi sur la page YouTube Patrick Kalala pour votre édification. Bye bye et à bientôt. Que mon Dieu vous bénisse.